Hello mes loulous, salut la famille, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. Oui, comme vous le voyez bien sur l'écran, aujourd'hui c'est l'aloe vera et vous connaissez les bienfaits incroyables de l'aloe vera sur la peau, sur les parties privées. Vous connaissez ce que ça peut faire à votre peau. Donc pour ce que nous allons faire aujourd'hui, hein, la famille, il vous faut le gel d'aloe vera et il vous faut le gel d'aloe vera naturel. Donc comme vous voyez là, je suis en train de gratter mon gel moi-même naturellement, donc c'est ce qu'il vous faut, hein. Ensuite, il vous faut un masque collant. N'importe quel masque. Je vous ai déjà présenté mes masques auparavant. J'ai déjà utilisé le masque vert, mais aujourd'hui je vais utiliser le masque jaune fait à base des blancs d'œufs ou du blanc d'œuf. Donc je vais tout simplement mettre 2 cuillères de ce masque dans mon gel d'aloe vera. Sûrement vous demandez mais pourquoi? Parce que je veux pouvoir retirer mon masque, donc le peel off, donc l'enlever sur mon visage et vous montrer le résultat. Et maintenant notre ingrédient clé, c'est la poudre de Kojic. Et vous savez que je ne fais jamais de masque sans ma poudre de Kojic. Depuis que j'ai découvert ma poudre de Kojic, c'est devenu ma clé, quoi. C'est devenu le miracle, quoi. Et vous voyez les miracles que ça fait sur mon visage. Donc, il est recommandé de mettre environ 3 à 5% de Kojic dans votre mélange, peu importe ce que vous faites. Donc, j'ai mis environ 5% dans mon mélange d'aloe vera, de gel d'aloe vera et bien sûr mon masque. J'ai bien mélangé. Après avoir bien mélangé tout ceci sur mon visage, j'ai commencé l'application. On a notre masque là, comme vous voyez bien là. Donc, je vais l'appliquer sur mon visage maintenant. Je vois les morceaux d'aloe vera à l'intérieur. Je vois mon masque collant et bien sûr mon Kojic à l'intérieur. Ouh, je suis impatiente d'essayer les filles. Allons-y. Donc, on va commencer tout doucement. Donc, comme vous voyez là, j'ai commencé l'application tout doucement sur mon visage. Ensuite, j'ai avancé la vidéo juste pour être un peu plus rapide. Mais ne vous inquiétez pas, je tournais tout simplement ma bouche là en anglais puisque j'ai fait cette vidéo en anglais et en français. Et j'ai laissé ce masque sur mon visage pendant environ 30 minutes. Ok la famille, voilà déjà environ quoi, 20-30 minutes, un truc comme ça. Donc, ça commence à sécher et je vais commencer à retirer. Et nous allons... Je vais vous montrer le résultat. Ouh là là! Après les 30 minutes, j'ai commencé à enlever le masque sur mon visage et comme vous pouvez bien voir, je sais pas si vous pouvez voir, mais regardez comment ma peau est en train de se révéler. Les filles, elle est sèche, elle est propre, sans tache. Je vous assure, le Kojic fait des miracles, qu'on ne vous mente pas, surtout le vrai et non le faux. Incroyable! Regardez comment ma peau est déjà en train de... Les filles, si vous connaissez de quoi est-ce que je parle, allez-y essayer ce masque. Vous reviendrez me remercier. Pour faciliter la chose, je vais tout simplement prendre une serviette déjà mouillée et je vais commencer à nettoyer le reste du masque hors de mon visage. Donc, j'ai mouillé ma serviette et j'ai bien nettoyé mon visage. Et maintenant, je vais tout simplement vous montrer le résultat. Voici le résultat, les filles. Aïe, 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 vous me dites-moi. Dites-moi que le résultat n'est pas impeccable, hein, les filles. Ne me demandez pas, belle, qu'est-ce que tu utilises sur ton visage, qu'est-ce que tu fais. Les filles, voici ce que je fais. J'utilise toujours les masques. Je suis toujours en train d'essayer les masques. Et celui-ci, so far, top. Je vais laisser les liens du Kojic, du bon Kojic sous la barre d'infos parce qu'on vend beaucoup de faux Kojic. Donc faites attention, je vais laisser le lien de ce que moi j'utilise. Et bien sûr, vous pouvez utiliser 3 fois la semaine et laisser sur votre visage pendant environ 30 minutes comme j'ai fait. Et ensuite épiler, rincez-vous le visage et puis voilà, j'ai des petits trucs là encore en bas. Et puis voilà, ah, ça dit la sensation, la propreté. Et non seulement si vous avez des imperfections, brûlures de soleil, machin et tout, ça va vous aider. Faites ça dans la nuit et non dans la journée, je vous en prie. Rajoutez les huiles essentielles si vous voulez, comme l'huile d'amande douce ou pas l'huile d'amande douce, je veux dire l'huile de lavande ou les trucs comme ça. Donc ça dépend de vos citrons, machin, si vous voulez conserver. Mais si vous voulez juste utiliser une fois et refaire après, pas besoin de mettre l'huile essentielle, comme j'ai pas mis d'huile essentielle. Mais la sensation, ouf, Lord. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé, les filles. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas de vous abonner, partager. On se dit à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bisous. Love you all. Love you guys. Bye.